Ok, donc nous sommes à notre deuxième cours de Mishat Yesharim, dont l'introduction super importante du Rav. Vous, Re'eh, vois. Donc là, jusqu'à là, maintenant, il a expliqué à quel point les choses dont tu vas parler sont des choses qui sont connues, ce n'est pas des choses inconnues, mais parallèlement, proportionnellement à leur connaissance, à leur célébrité, elles sont absentes. Les gens savent toutes les bases de comment il faut se comporter, mais sur le terrain, ce n'est pas comme ça, parce que et les gens ne prennent pas du temps pour aller étudier et approfondir ces sujets-là. Ré, voix. Kien divrei hasidut v'inyanei ira v'ahava v'tahorat halev dvarim mutba'im ba'adam. Que les choses concernant la piété et les choses concernant la crainte de Dieu et son amour et la pureté du cœur ne sont pas des choses qui sont entérinées dans l'homme. Emsaim, au point où il ne faudra pas des moyens pour acquérir ces choses-là. Ce n'est pas naturel. Ela imseotam bene Adam batsmam, mais, donc il veut dire que ce n'est pas ça que les gens imseotam vont trouver ces choses-là, batsmam en eux. Comme ils vont trouver tous leurs mouvements naturels, keshena, comme le sommeil, vayekitsa, le réveil, haraav, la faim, vasova, le rassasiement, tous les autres mouvements, actions qui sont gravés dans notre nature. Toutes ces choses-là, la crainte, l'amour, la pureté du cœur, ce n'est pas des choses naturelles qu'il y a en nous qui viennent comme ça, comme la faim, le sommeil, etc. Le sommeil, tu es fatigué le soir, tu mets ta tête sur l'oreiller, tu t'endors. D'accord? Ce n'est pas que tu dois faire un travail pour ça. Le lever le matin, peut-être plus. Mais se réveiller le matin, ça aussi, tu n'as pas besoin. C'est naturel, au bout d'un certain nombre d'heures, que tu veuilles ou pas, tu te réveilles. Des fois, il y en a qui ça embête, ils devraient dormir plus. Mais bon, ça, c'est naturel. Mais les choses dont on parle ici, la crainte de Dieu, la piété, etc., ça, ce n'est pas des choses qu'il y a en nous de façon naturelle. Et la vadaï, chez Srichim, c'est clair qu'ils ont besoin de moyens, ou les tarboulottes et des combines, les knototam, pour les acquérir. Loi batru gamken, mafsidim lahem. Et il ne manque pas non plus des choses qui font perdre ces choses-là, telles que la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la piété, etc. Il y a toutes sortes d'agents en nous, intérieurs et extérieurs, qui nous font perdre ces très bonnes qualités. Chez Achikoum, Mina Adam, qui vont éloigner ces choses-là de l'homme. Mais il ne manque pas non plus des voies pour éloigner ces choses qui nous éloignent des bonnes choses. La crainte de Dieu, la piété, il y a des choses qui nous éloignent de cela. Alors, il y a aussi des moyens d'éloigner ces choses-là qui nous éloignent. Donc, d'éviter l'influence négative des choses qui nous éloignent de la piété. Imken est faux, si c'est le cas. Comment est-ce que on n'aura pas l'obligation de prendre du temps pour cette étude? La date amitat advarim, connaître l'authenticité des choses. Mais la date aderech leknotam, et savoir comment les acquérir, ou le kaimam, et les faire exister en nous. Ma'in tavoa chokhma azot, beleva adam, imno yevatchena. D'où viendra cette sagesse dans le cœur de l'homme s'il ne va pas la demander? Ce n'est pas naturel. Alors d'où ça va venir? Et tout le monde sait que c'est les choses super nécessaires qu'on a vues hier. Tout le monde te dira que c'est impossible d'être un bon juif si on n'a pas ces choses-là qui sont claires en nous. Or tu vois que tu ne les as pas. Donc il faut du temps pour acquérir cela. Et du fait qu'il a déjà été authentifié chez chaque sage, la nécessité d'avoir un service qui soit parfait, tamim, c'est donc parfait. Le chovat taharata venikiona, l'obligation de sa pureté, que ce soit un service de Dieu qui soit pur, venikiona, propre, chezulat, elle est enanirset vadai klal, car sans cela, elle n'est pas du tout
accepté par Hachem. L'anime Eset ou Metoevet, au contraire, elle est, Dieu il est dégoûté de cela et il a en horreur un service qui n'est pas parfait. Il met la barre très haut là. Kichol Levavot, Doresh Hachem, car Dieu demande tout le cœur. Vechol Yetzer Machevot ou Mevin, et il connaît tous les penchants des pensées. Dieu voit nos pensées. Donc si maintenant tu vas servir Dieu pour. Pour être riche, pour avoir ton permis de conduire, pour avoir un bon zivou, etc. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est pas bien non plus. Dieu, il veut tahara talev. Tahara, c'est pureté. Il faut servir Dieu pour Dieu. Alors, Rav va beaucoup en parler de cela plus tard. D'accord? Donc, ça va pas venir automatiquement. Et vu que Dieu demande quand même cela au niveau optimal, Manane biyom tochecha, qu'est-ce qu'on va répondre au jour de la correction, le jour du jugement? Im itrashanu mina yunaze, si on a négligé cette étude. Vinachnu davar shu kol kach mutal aleinu, et on a abandonné une chose qui est tellement notre obligation. Shu ikar ma Hashem elokeinu shoel mimanu, que c'est l'essentiel que l'Éternel notre Dieu demande de nous. Si tu fais tout tordu, alors à quoi? Qu'est-ce que Dieu te demande? Quoi? De faire de l'argent? D'avoir des vacances? Il demande essentiellement de le servir, d'accord? Il faut que ce service il soit fait comme il faut bien, c'est l'essentiel de ce que Dieu nous demande. Aïtachen, Sheiga, Viamol, Sechlenu, Bachakirot, Asherlon, Nitrayavnu, Bam. Est-ce qu'il se peut que notre esprit va peiner et va travailler dans des analyses qu'on n'a aucune obligation de faire? Alors, bien sûr, on étudie la Gemara. Et très souvent, on étudie des choses qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Aucun. Aucun. Et on passe des heures à faire des pilpoulim. Voilà, il dit la phrase d'après. Mais pilpoulim, ma chère Loïc, c'est la nonchum primehem. Des pourparlers desquels on n'aura aucun fruit. Vedinim, ma chère enam, chère achim, là, non, des lois qui ne nous concernent pas. L'essentiel de notre Torah que nous étudions à la Yeshiva, à la Gemara, c'est ça. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas l'étudier, parce qu'il faut quand même apprendre la Gemara, etc. C'est une obligation. Mais il ne faut pas délaisser l'essentiel qui est ce qui nous concerne. Comment apprendre à être un homme bon, un homme honnête, un homme droit, servir Dieu, Shem Shamayim, pas avoir des bonnes midotes. Bon, tout un travail énorme, c'est l'essentiel que ce que Dieu veut de nous. D'accord? À quoi ça sert quelqu'un qui sait étudier tout le chasse? Mais c'est un rachat. D'accord? On le fait guili-guili, il s'énerve déjà. C'est un chilou l'Hachem. D'accord? Est-ce que nous sommes redevables envers notre Créateur? Chova Rabba, d'une grande obligation. Nasvenu le hergel, on va le laisser à l'habitude. Venanniheu le mitzvat anashim elumada, on va le laisser en tant que mitzvat anashim elumada, ça veut dire des automatismes. Faire les choses de façon automatique, sans aucune pensée, sans amour de Dieu, sans crainte de Dieu, pas automatisme, d'accord? Tu mettais le fil le matin, t'es pas là, t'es à nos lulu, t'es dans ton lit, je sais pas où tu es encore. Tu fais tout automatique, mais t'es pas là. Alors que Hachem nous demande d'être là, de servir. Si on ne va pas observer, on ne va pas étudier qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu authentique et quelles en sont toutes les branches, toutes les conséquences. Comment est-ce qu'on va l'obtenir? Et comment est-ce qu'on va fuir de la futilité du monde qui nous l'a fait oublier. On a parlé juste auparavant qu'il y avait des choses qui nous faisaient perdre ces bonnes qualités. Entre autres, on a ici la futilité du monde, d'accord? Quand tu regardes le monde, presque personne s'occupe de crainte de Dieu. Tout n'est pas ça, ni dans les nouvelles, ni dans les journaux, ni dans la rue, ni dans les pubs, ni rien du tout, d'accord? Donc forcément, ça va t'éloigner. Donc si tu ne vas pas commencer à observer et bien étudier qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu et comment l'acquérir et comment ne pas la faire disparaître de nous, comment tu vas éviter l'influence de la futilité du monde qui nous l'a fait oublier? Alors, Tishachach, va-t-il l'air?
c'est clair qu'elle va s'oublier et va s'en aller. Afapish yadano chobata, bien qu'on en connaisse l'obligation. Avak mochen, l'amour idem, l'amour de Dieu. Imlo nishtadel ikboa ota belevaveno. Si on ne va pas essayer de la fixer dans notre cœur avec la force de tous les moyens qui font arriver à cela, comment on va la trouver chez nous, l'amour de Dieu? D'où viendra l'adhésion à Hachem? Le bouillonnement dans notre cœur, avec lui, béni soit-il, vim torato, et avec sa Torah. Si on ne va pas se tourner vers sa grandeur, et ça, c'est plus que grandeur, sa supériorité, qui va faire naître dans notre cœur cette adhésion. Dieu ne veut pas qu'on fasse simplement les mitzvot, on fait ce qu'on veut avec un bouillonnement du cœur d'amour. Tu vas prier, ce n'est pas une corvée. C'est il faut cultiver cet amour, il faut que ça vienne de quelque part. D'où ça viendra? Demande le Rav. Comment va se purifier notre pensée si on ne va pas essayer de la nettoyer des défauts que met dans notre pensée la nature corporelle, que ce soit pour les hommes les pensées des femmes, ou la jalousie, ou la recherche des honneurs, toutes ces pensées tordues qui traversent l'esprit d'un homme tordu moyen. Va midot kulam, et toutes les midot, toutes les qualités d'âme, on va dire les traits de caractère, asechot kmochen tikkun va'eshara, qui ont besoin, elles aussi, d'une réparation et d'un ajustement, d'être droite. Miyashrem, qui va les ajuster, ou metaknem, qui va les réparer, imlon asim lev alehem, si on ne va pas faire attention à elles, à ces traits de caractère, à eux. On ne va pas faire attention à cela, d'une très grande attention. On a encore un peu de temps. On finit le paragraphe. Alors, im yanu ala davar et yun ameti. Si on va étudier, analyser, yun c'est une analyse profonde. Si on va analyser de façon profonde cela d'une analyse authentique, haenu motsim oto ala mito. On aurait trouvé la réponse à toutes ces questions-là de façon authentique. Au motivim la semaine, on aurait fait du bien à nous-mêmes. Mlamdim oto l'acharim, on l'aurait enseigné aux autres. Au motivim lahem gamken, on leur aurait fait à eux aussi du bien. Donc l'important, c'est de prendre du temps pour étudier ce type de livre qui va nous apprendre à aimer Dieu, à le craindre, à avoir des bonnes midotes, etc., etc. Et sans ça, aucune chance. Baruch Adonai, l'Olam, Amen v'Amen.